Hello, Moussaillon! J'espère que ça guette pour toi. Moi, je suis très contente de te retrouver dans une vidéo. Tu l'auras vu au titre et à l'amoncellement de carnets autour de moi. Nous allons parler carnets. Je suis passionnée d'écriture, j'adore écrire, il ne se passe pas un jour sans que j'aie un carnet près de moi ou un stylo dans la main, et je me suis dit pourquoi pas te présenter les différents carnets, ceux que j'ai écrits au cours de ma vie, ceux que je suis en cours de remplir, et peut-être des carnets vierges prêts à être remplis pour de futures idées. Il faut savoir que j'adore écrire, que j'écris depuis au moins le début de mon adolescence. Si au début c'était des poèmes assez maladroits, vers le milieu de mon adolescence j'ai commencé à écrire de manière un peu plus sérieuse de la poésie. Et puis j'adore écrire, que ça soit parfois pour des idées de projets de romans, sans forcément que ça ait but à voir le jour, mais juste pour le plaisir d'écrire et de se vider la tête. J'écris sur divers types de projets aussi, de formats d'écriture. Et j'écris aussi beaucoup de journaling depuis au moins le début de mon adolescence, ça me fait du bien, ça me vide la tête. D'ailleurs, je n'aime pas le terme journal intime, je préfère le terme carnet à réflexion, car j'estime dedans m'y pousser à la réflexion sur moi-même, à mon auto-réflexion, plutôt que juste journal intime, même si ça n'a pas toujours été... ce terme n'est pas venu dès le début, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, j'adore écrire. Nous allons commencer sans plus tarder avec les carnets que j'ai déjà écrit, ceux qui sont remplis. Pour commencer, nous allons commencer avec des carnets de dessins. La plupart des dessins que j'ai faits au cours de ma vie sont sur des feuilles en vrac rangées dans des classeurs. Mais il m'est arrivé d'avoir des carnets de croquis, de sketchbook si on peut dire, où tout simplement j'y ai fait quelques dessins dedans. Notamment on a celui-ci de chez Canson que j'aime beaucoup, qui est un carnet de dessins que j'ai acheté lorsque j'étais étudiante, dans le but de dessiner quand j'avais envie de dessiner tout simplement, mais aussi de dessiner pendant mes trajets en train. Il se présente comme ceci à l'intérieur. Voilà, j'ai fait des essais de feutres et de couleurs juste ici, et j'ai fait une sorte de page de garde. Alors les dessins, c'est pas les dessins les plus fous non plus de ma vie, hein, c'est juste des petits dessins que je faisais. C'était le but, c'était juste de crayonner. Alors il n'est pas beaucoup rempli, j'y ai fait par la suite des pages pour un October Ink, histoire de ne pas gâcher ce carnet, et je pense que peut-être je le finirai pour le prochain October Ink, parce que je n'aime pas aujourd'hui gâcher des pages dans des carnets, même si ça m'est arrivé par le passé de ne pas remplir en entier mes carnets et de me retrouver du coup avec des carnets pas finis mais qui correspondaient à une autre era que ma vie actuelle à l'instant T, au moment T où je voulais re-remplir un carnet. On a également celui-ci de la marque 1854, je crois que c'est ça, ou 1584, je crois que c'est plutôt ça, la marque avec un coq, je connais pas trop cette marque-ci. C'est des petits carnets à dessin comme ceci, là c'est pour l'October Ink de je ne sais pas quelle année. J'ai fait des dessins à l'arrache, mais c'est très bien comme carnet. Je vois qu'il me reste quelques pages à la fin à remplir, mais celui-ci restera comme ça puisqu'il correspond à un October Ink. Et on a également celui-ci qui est pour l'October Ink de 2019, si je ne dis pas de bêtises. C'est un sketchbook Graph It de chez Clairefontaine. J'y ai fait plein de dessins, on va dire, divers et variés pour un October Ink. Ça me fait du bien de faire ce genre de défi, car ça me permet de dessiner sans prendre la tête, car ayant perdu la main en dessin, je suis très vite frustrée et j'ose plus dessiner parce que je me dis que je suis pas capable, et ça me permet de me rendre compte que je suis quand même capable de certaines choses et de faire de jolis dessins. Nous allons passer à cette tonne de carnets. Ce sont des carnets de journaling pour la plupart, à part les deux premiers. Alors j'ai essayé de te montrer ça sans tout faire tomber. Hop, petit blocus avec la jambe. On a tout d'abord ce petit carnet-ci qui lui est un carnet Biapi, un carnet de positivité comme appellent certains. C'est tout simplement un carnet où tous les jours tu notes trois choses positives de ta journée. Ça te permet déjà de voir que ta journée n'était pas si pire que ça, et puis de voir le positif. Et bien sûr je datais chaque jour, je mettais la date de chaque jour pour ce genre de carnet, et je l'avais également continué dans ce type de carnet, mais je ne l'ai pas fait en entier. Ce genre de carnet où il faut régulièrement, enfin quotidiennement noter les choses, j'ai un petit peu du mal. Si j'ai pas envie d'écrire quotidiennement dans mon journal intime,
je fais ce que je veux. Je peux écrire une fois par semaine, à plusieurs fois par semaine, à une fois par mois si j'en ai envie. Là, il faut vraiment noter tous les jours et j'ai du mal à m'y tenir. Il faut que je prenne une certaine rigueur là-dessus. On passe à ce premier carnet que mon père m'avait donné, je m'en souviens très bien. C'est mon premier carnet de journaling. Alors, je pensais que c'était le plus sombre de ma vie, mais alors loin de là, hein, loin de là. Il est vraiment pas sombre, mais c'est le premier journal intime, si je puis dire. Bon, c'est des choses très adolescentes et tout. Je pense que je l'ai associé au plus sombre car il est noir. Celui-ci, malgré sa couleur, est sûrement le plus sombre. J'ai écrit des choses sûrement pas très jojo. Alors oui, c'est le genre de carnet où il y avait un cadenas de base, mais tu sais très bien que quand t'es ado, tu vas perdre les clés du cadenas et plus jamais pouvoir ouvrir le cadenas. C'est un Diddle, pour ceux qui auront reconnu, avec Pimboli. Pimboli, c'est l'ours juste ici, pardon. Le lapin, je ne sais plus du tout comment il s'appelait. Mais voilà, très joli carnet année 2000, hein, très bien. Pratique pour écrire, hein, mais sans le cadenas, toujours dans le même principe. Et saut 2000, ce carnet-ci qui, tu l'auras vu, a bien vécu. J'avais commencé une idée roman quand j'étais ado, qui cassait pas trois pattes à un canard, qui était un peu, même beaucoup nul. Je suis désolée de le dire, hein, mais c'était pas top. Je sais que je peux largement faire mieux. Et du coup, je l'avais recyclé en journal intime. Malheureusement, je ne l'ai pas rempli en entier celui-ci et ça me dégoûte un peu, mais il correspond à une era passée, donc bah, je vais pas continuer à remplir quelque chose d'une era passée, d'une époque passée en tout cas. Ensuite, on a ce genre de carnet que je te montre à l'envers parce que j'ai des informations personnelles de l'autre côté. Quelle idée, Plume, de coller au scotch sur une couverture cartonnée d'un carnet des informations personnelles. Écoute, je sais pas. Je sais pas si tu l'auras reconnu, mais c'est un carnet de chez Yves Rocher. Je ne savais pas, je l'ai vu dans des trucs vintage passer, ce genre de carnet. C'était un coffret avec une boîte dans laquelle il y avait une boîte avec des crayons, le carnet et peut-être autre chose, je m'en souviens pas. Tout au même motif, il a très bien fait son taf et je pense qu'il est pas mal rempli. Premier magnifique beau carnet qui m'a servi de carnet de journaling, c'est un Dazzle Cover. Les carnets coûtent assez cher hein, en termes de carnet. Généralement, ça ressemble un peu à un Paper Blanks, mais celui-ci on m'avait offert encore une fois. Je pense que c'est le genre de carnet qui ne doit pas être donné, mais il m'a très bien servi en mode journaling et j'adore. Ça fait vraiment les livres voilà, qu'on pourrait trouver dans une belle bibliothèque, telle la bibliothèque de Belle, dans Belle et la Bête, par exemple. Ce genre de petit carnet de chez Emma, des fois il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin. Il est très bien, moi j'ai juste décoré dessus avec un stylo gel parce que ben, je le trouvais un peu fadasse, mais il m'a très bien servi en tant que carnet de journaling. Quand je dis qu'il n'y a pas besoin d'aller très loin, ben voilà. Alors, c'est un carnet de la marque 1584, pardon, je confonds toujours les chiffres, 1584, qui est un carnet de dessin de base, mais je l'ai rempli lors de ma première hospitalisation, du moins du début, où j'ai accepté de dire ça va pas, SOS. Et du coup, c'est pour ça que les dessins sont pas très joyeux dessus. Mais en fait, je voulais un carnet, et à ce moment-là, je n'avais pas de carnet, ma moitié pouvait m'en ramener. Le problème, c'est que ma moitié ne savait pas qu'est-ce qui était carnet à dessin ou carnet à écriture. Et m'a ramené ça dans les carnets. Et je me suis dit, bah, au point où j'en suis, limite carnet dessin, carnet d'écriture. Qu'importe, l'important, c'est d'avoir un carnet pour écrire. On a ces magnifiques carnets de la marque Lianhua. Non, c'est Lianhua. Qui est une marque asiatique que j'avais trouvée chez Noz. Chez Noz, des fois, on peut trouver des beaux carnets comme ceci pour pas trop cher. Carnet de journaling avec le petit marque-page juste ici que je trouve trop mignon. Donc voilà, ultra sympa comme carnet et je l'adore. Il m'a très bien servi également. Également autre carnet de chez Noz, celui-ci avec les Gremlins. Voilà, l'image qui bouge, j'adore ça en 3D. Qui m'a également servi, c'est un Paladum qui fait beaucoup... enfin qui fait beaucoup... qui est connu pour faire des produits dérivés pop culture. Encore une fois, chez nous, j'avais trouvé ce carnet-ci de la marque Vadis, que je trouve vraiment magnifique. Je pense qu'il a été... ah non, je te le montre à l'envers, c'est pour ça. Ok, voilà, comme ceci, que je trouve magnifique, avec un petit élastique. C'est bien aussi un petit élastique pour les carnets de journaling. Et un petit marque-page pour savoir où tu en es dans le carnet, c'est cool. Je l'ai fini également et je le trouve magnifique, ce carnet. Il m'a très bien servi encore... une fois, on va passer à deux carnets qui sont ces carnets-ci qui ne sont pas remplis en entier.
Alors, il y en a peut-être un que je vais recycler, essayer de remplir en entier, je verrai bien. En gros, il y a un carnet de journaling que je devais remplir lors d'une hospitalisation, mais ça s'est pas passé comme prévu et puis j'avais pas la tête à remplir un carnet pour remplir du vide, donc j'ai décidé de ne pas le remplir. Je sais plus lequel des deux, c'est un peu confus entre les deux parce que le contenu se ressemble, malheureusement. Et un carnet qui me servait un peu de carnet journaling, mais en mode, j'avais pas mes dernières volontés, mais presque quoi, les trucs... à mettre que mes proches pourraient tenir si jamais il m'arrive un truc. Ouais, c'est un peu glauque comme truc, mais je sais pas, j'avais envie d'un carnet comme ça, me demande pas. Donc je pense qu'il y en a un des deux qui va être recyclé du coup, parce que bah, l'idée est pas top et puis enfin pas non plus bien travaillé. Dernier carnet de journaling que j'ai rempli, c'est celui-ci. C'est un très vieux carnet de chez Cultura que j'ai eu étant plus jeune. Il me servait de base de carnet pour remplir mes rêves, sauf que j'avais très vite abandonné l'idée quand j'étais plus jeune. Et puis, ben, ça servait à rien, il n'y avait que, je sais pas, quelques pages de rempli. Je l'ai recyclé en carnet de journaling, et ben, crois-moi, il a bien fait son taf, il est rempli, j'adore. Je crois que d'ailleurs, je préfère peut-être ce genre de format au format carnet plus petit. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé écrire dans ce carnet. Pour finir avec les carnets remplis, nous avons ce magnifique carnet que j'avais trouvé chez Nose de la marque Selmu, qui est une marque asiatique, encore une fois, mais vraiment, ils en ont beaucoup, des carnets de marques comme ça, asiatiques, qui sont magnifiques, que ce soit des carnets pour écrire ou des carnets à dessin. J'en ai fait un carnet à rêve et étonnamment, celui-ci, je l'ai rempli. Vraiment, je l'ai rempli. Il reste peut-être 3-4 pages à la fin, mais il est vraiment bien rempli. J'aime bien écrire mes rêves quotidiennement quand je pense à le faire et quand j'ai la motivation de le faire, parce que ça me permet de me souvenir de mes rêves, même si j'arrive à me souvenir de mes rêves sans forcément les noter. Mais avec le temps, ben, c'est pas toujours simple de se souvenir de tous ces rêves au détail près. Et je dessine aussi les scènes de mes rêves afin de me rappeler de la scène. Et ça me permet d'avoir une vision plus simple pour analyser mes rêves et comprendre pourquoi je rêve de telle chose ou de telle chose. Ce magnifique carnet que j'aime beaucoup, qui est dans les premiers carnets qu'Action avait sorti, quand Action est arrivée, magnifique, qui m'a servi de carnet de citation, pardon. J'y ai noté toutes les citations qui m'inspirent, que ce soit de personnalités publiques, politiques, historiques, de personnalités, de personnes par exemple que j'aime bien sur YouTube, de citations de livres, romans que j'ai bien aimés, de romans biographiques, de livres autobiographiques, de récits de voyage. Bref, voilà, dès qu'il y a une phrase inspirante, je mets dedans, même des fois des phrases de proches qui me sont inspirantes au quotidien. Je les ai mis là-dedans et j'adore, mais je l'ai fini. Donc il va m'en falloir un nouveau sous peu, parce que j'adore noter des citations et des choses marquantes. Donc il va m'en falloir un nouveau. On a ce magnifique petit carnet comme ceci, avec des moutons qui me vient d'Irlande. En gros, c'est un souvenir que je m'étais ramené d'Irlande. Il m'a servi de carnet à idées. J'ai toujours un carnet à idées où je note plein de choses dedans. En plus, les petits formats comme ceci, c'est pratique pour mettre dans son sac de cours ou son sac à main. Il m'a énormément servi, genre il est vraiment rempli de chez rempli, tellement rempli qu'à la fin j'ai même dû écrire sur l'intérieur de la couverture, enfin c'est voilà, bon, bref. Je ne les garde pas normalement les carnets à idées, parce que ce sont soit des idées éphémères qui n'ont pas but à être gardées, ou des idées qui doivent être recopiées aux profs dans un carnet dédié, comme par exemple la poésie. Donc du coup, ben je ne les garde pas, mais celui-ci je le garde car il me vient d'Irlande et c'est un souvenir du voyage que j'ai pu y faire, donc du coup c'est très important. Ensuite nous avons ce cahier de la marque Atoma, qui est mon premier cahier à poésie, où j'ai recopié mes premiers poèmes au propre lorsque j'étais adolescente. C'est un cahier à feuille repositionnable que j'avais trouvé à l'étranger. Je l'avais acheté parce que je trouvais ça un petit peu original, je n'en ai pas vu par chez moi à l'époque, donc je m'étais dit ouais, c'est original, je vais le prendre pour y copier mes poèmes au propre. J'avais fait une super couverture à l'époque comme ceci. J'y ai écrit mes poèmes. Le problème c'est que quand tu es adolescente, tu as tendance à te tromper, à raturer, à vouloir recommencer. Et du coup bah, il a perdu en épaisseur. Mais voilà mon premier cahier à poésie, où je recopiais mes poèmes au propre. Et comme les feuilles ne sont pas rachetables, et ben, j'ai dû passer à autre chose. Du coup comme il me fallait un nouveau carnet, voilà, j'ai acheté ce carnet-ci de la marque Oxford, que j'ai décoré avec des choses d'adolescente que j'aimais bien. C'est un carnet où j'ai recopié mes poèmes à partir du milieu de mon adolescence, si je puis dire. J'ai même rajouté un petit marque-page comme ceci en ruban.
Il n'est pas rempli en entier, mais je ne continuerai pas de le remplir car ce sont les poèmes de mon adolescence et je considère qu'il correspond à cette era. Donc, nouveau carnet pour une nouvelle era de poèmes, mais magnifique carnet que j'avais décoré. Nous allons continuer avec les carnets en cours d'écriture. Et pour commencer, voilà, j'ai un petit carnet comme ceci, je ne sais pas pourquoi je l'ai commencé des deux côtés. C'est un carnet à croquis d'idées pour l'atelier. Dès que j'ai une idée pour l'atelier, eh ben, je croque mon idée, donc je fais un dessin de mon idée pour de futures créations dans ce carnet. J'en avais besoin d'un, donc voilà un carnet à idées. J'ai également commencé il y a un an ce carnet de art journal. L'art journal, c'est un peu du journaling, mais avec des techniques de scrapbooking. T'auras vu que je l'ai décoré. Bon, c'est la couverture en simili-cuir. Faut mettre de la colle pour que ça tienne bien, sinon ça ne tient pas. Mais même sur du non-simili-cuir, ça ne tient pas trop, les stickers et tout ça. Donc bon, il y a des stickers qui ont tenu par chance, mais il y a des trucs, il faut les coller. Voilà, j'ai fait des petites choses comme ceci. Là, j'avais recopié un poème. Vraiment, je l'avais fait comme un carnet de journaling à l'année façon art journal, mais voilà, pardon, automne vibe. J'en ai fait un autre pour cette année. Donc celui-ci n'est pas fini, mais sera complété, mais plus comme art journal, c'est où tu fais de l'art comme chose libératrice, comme art thérapie. Pour cette année, j'ai fait celui-ci. Alors il est super épais, les trucs ont du mal à tenir parce que je ne les ai pas collés. D'ailleurs, j'ai mes cheveux qui se prennent dedans, c'est génialissime. Mais voilà, donc tu verras, là, petit sticker, ça ne tient pas. Les premiers stickers de chez Action, ils n'est pas du tout. Ils sont super épais, ils ne collent pas, faut remettre de la colle. Mais c'est un carnet de art journal que j'ai fait sur l'année où je date, enfin je date pas, mais je le fais chaque mois, ma page du mois, etc. et mes petits trucs du mois. Donc il sera bientôt fini, mais je pense avant la fin de l'année, ce qui est un petit peu triste. Je vais voir, mais bon, voilà. Si jamais un art journal tour t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, je te ferai une vidéo dédiée. Deux carnets d'écriture en cours d'être remplis, ce sont ces carnets-ci. Donc ça, c'est un carnet vert, j'en avais acheté plusieurs, je te les montrerai juste après. Il me sert pour un projet écriture que j'ai depuis que je suis adolescente. Je cherchais ma phrase, excuse-moi. C'est un carnet dans lequel je vais mettre les fiches perso, les fiches du monde, etc. Pour ne pas perdre en fait ce que j'ai envie d'écrire, les personnages, qui est quoi, qui fait quoi, et de me retrouver un petit peu dans le monde que j'ai créé. Et nous avons celui-ci, le Yes You Can, qui vient de chez Stokomani. Il y a une année, ils ont sorti des super carnets pour la rentrée. Je me demande pas pourquoi cette année ils en ont pas fait. Celui-ci vient de chez Emma. Ils avaient fait des soldes à un moment avec des carnets à 50 centimes et genre 1 euro les 4. Là aussi, j'ai pas compris ce qui s'était passé l'année là. Dans ce carnet-ci, c'est un projet écriture en cours type roman. Je ne dis pas que ça a vocation à devenir quelque chose. Pourquoi pas, si c'est potable, si je trouve que c'est bien à la fin, le publier et en faire quelque chose. Mais en tout cas, ça me fait du bien et ça me permet de me vider la tête de temps en temps. Donc, je suis super contente de ces petits projets écriture en cours. Enfin, celui-ci est beaucoup plus en cours que celui-ci, mais voilà, tu auras compris. Ce sont des carnets pour l'écriture de projets romans. Parlons écriture et projets en cours. Nous avons ce magnifique carnet façon art journal où j'y ai recopié au propre des poèmes d'un défi que je m'étais lancé lorsque j'étais étudiante, où je m'étais dit vas-y, écris 20 à 50 poèmes. Arrivé à 50, je me suis dit facile, si j'en écrivais une centaine, et j'écris un peu plus d'une centaine de poèmes. C'est une sorte de défi que je me suis lancé afin de travailler ma plume, de travailler mon style d'écriture et de voir ce que j'étais capable d'écrire. Tous ne sont pas parfaits et tous n'ont pas vocation à devenir quelque chose, mais je trouve que certains sont bien et pourquoi pas les publier un jour. C'est pour ça que ce carnet, malgré qu'il soit rempli, est toujours avec moi comme un carnet non rempli afin de pouvoir relire et potentiellement utiliser certains poèmes. J'ai fait du art journal dedans pour décorer, pas sur toutes les pages, je n'ai pas fini de décorer, mais je pense qu'il restera ainsi, je le trouve très bien comme ça. Tu le sais, l'écriture et moi, c'est une grande passion. Forcément, encore des carnets, tout plein de carnets. On a ce premier carnet en couverture souple simili-cuir qui me semble que j'avais acheté chez Flying Tiger. C'est un carnet qui devait de base me servir pour YouTube. J'ai pas été très assidue à noter les vidéos que je voulais faire, mes projets que je voulais faire sur YouTube. J'ai commencé, puis c'est devenu bêtement un carnet à idées. Il faut que je reprenne tout ça. Autre carnet qui me sert du coup comme carnet à idées, c'est le genre de carnet que je laisse toujours dans mon sac à main. Voilà, mon sac tout court, peu importe où je vais.
J'en ai déjà dans mon sac à main, j'en avais deux et donc du coup, je suis en train d'en remplir un. Donc quand il sera fini, je continuerai de remplir celui-ci qui a déjà été rempli. C'est juste que j'avais fait l'erreur d'en laisser deux et je m'étais un petit peu perdue. Ah tiens, un carnet, un autre carnet, bon bref. Toujours pour noter des idées, j'avais ça de base qui est un bloc-notes de chez Action. C'est pas un truc que je trouve fin fou. Franchement, je préfère les carnets, notamment à spirale pour noter des idées. Mais ouais, ça me servait bien. Je pense que ça va me servir actuellement pour y noter des listes un peu plus détaillées quand j'ai besoin de noter des listes un peu plus détaillées autres que sur mon calepin à liste pour les courses. Quand je parle de carnet à idées, je parle de ce genre de carnet à spirale. Celui-ci vient de chez Emma et je l'adore avec des constellations. Il a fini d'être rempli mais je le garde pour le moment car j'ai des choses à utiliser dedans qui sont notées. Mais je pense que je vais même le garder sur le long terme avec mon carnet mouton que je t'ai montré tout à l'heure, qui vient d'Irlande, car il y a des choses assez sympas dedans et je me dis que j'ai envie de le garder pour marquer un petit peu un coup sur une époque créative de ma vie. Et actuellement, j'utilise celui-ci, le You Can Do This avec un dinosaure rose de chez Emma, encore une fois, mais ils font des très beaux carnets chez Emma, pas toujours donnés, mais jolis. Et j'aime bien ce genre de carnet pour carnet à idées, parce que voilà, c'est à spirale et on peut facilement faire ça, donc je trouve ça cool. On a ce carnet-ci qui de base était un carnet à réflexion. En gros, un peu en mode développement personnel, je me faisais un peu des réflexions sur des situations, des choses que je voyais et que j'essayais d'analyser avec mon point de vue, mon ressenti et comment moi j'interprétais la chose. Le truc c'est que je me suis dit, mais tiens, j'ai plus de carnet à idées et moi les carnets à idées c'est que des carnets à spirale. Donc vas-y, je vais le recycler en carnet à idées. Sauf que entre temps j'ai retrouvé mon You Can Do This qui était déjà en cours d'écriture. Donc il faut que j'enlève les pages d'idées qui sont dedans et que je remette les pages de réflexion que j'avais arrachées. C'est génial, voilà. C'est le genre de truc que je déteste, mais bon écoute, les erreurs, ça arrive. Nouveau cahier à poésie où je note mes poèmes actuels au prof. Ça fait un petit moment que j'ai pas trop écrit de poésie. Mais voilà, j'y note mes poèmes au prof dans ce carnet qui est bien sûr, tu l'auras compris, un cahier à feuilles repositionnables, hommage à mon premier cahier de poésie. Et pour continuer dans la poésie, voyez, un cahier qui est un cahier identique au cahier vert que tu as vu avec le visage de la fille dessus. Acheté il y a super longtemps chez Cultura, encore une fois, qui devait également me servir pour noter mes rêves et qui me sert aujourd'hui pour y noter mes haïkus au propre, qui est un format de poèmes japonais sur lesquels je m'entraîne car ce n'est pas parfait ce que j'écris, je n'aime pas trop ce que j'écris, mais au moins je m'entraîne et je m'essaye, ce qui est le plus important. Et en parlant d'écriture, de s'essayer et de tenter des choses, un carnet à chansons. Je ne suis pas chanteuse, je n'ai pas la voix et je ne dis pas que, enfin je ne veux pas être chanteuse, mais je ne dis pas que je ne voudrais jamais travailler ma voix avec des cours de chant, car ne serait-ce que pour apprendre à la poser pour le théâtre et pour des choses un peu plus créatives, ça sert toujours et ça me serait très utile. Mais j'adore la musique, j'ai vraiment une passion musique, en plus de passion écriture, autant allier les deux et écrire des chansons. C'est quelque chose que je m'amusais à faire quand j'étais adolescente. Bien sûr, quand t'es ado, tes chansons sont pas fin fou, mais là, ce sont des choses que j'ai écrites ces dernières années qui sont beaucoup plus travaillées, avec beaucoup plus de détails et de termes musicaux, donc voilà. On va partir vers un carnet comme ceci qui vient de chez Flying Tiger. Bon, tu auras reconnu le drapeau sur le carnet. Voilà, ça te parle. C'est un carnet à réflexion sur moi-même. C'est même pas vraiment réflexion, c'est un peu en mode auto-développement personnel où je développe à la manière d'un bouquin. Alors, je ne dis pas que ça deviendra un bouquin un jour, sait-on jamais, mais je ne pense pas. Ou tout simplement, ce sont des réflexions de vie, des leçons aussi de vie que j'ai appris de mon vécu qui m'aident à avancer dans la vie et je note ces choses-là afin de ne pas oublier, de me rappeler un peu à la manière d'un livre de développement personnel. Tu vois, ça serait un peu comme mon propre livre de développement personnel où je m'apprends à moi-même des choses à travers mon vécu et donc du coup je note plein de choses dedans et il est super cool et c'était très important qu'il ait cette couverture-ci parce que voilà, je me dis que c'était très raccord avec un livre de développement personnel, enfin de se développer soi-même dans le sens développer qui on est, qui on veut être, sa personnalité, s'accepter tel que l'on est. Donc la couverture est très bien parlante, je dois le préciser au passage. Dans les carnets en cours d'écriture, nous allons finir avec ces carnets-ci. Tout d'abord, nous avons ce petit carnet qui est un carnet de gratitude. Alors je m'essaye, j'ai oublié de noter mes gratitudes hier d'ailleurs, mais c'est vraiment pas parfait. Je n'arrive pas à m'y tenir, c'est ça le problème, c'est que j'arrive pas à m'y tenir à écrire
quotidiennement mes gratitudes. J'ai dit, j'ai du mal à tenir ce genre de carnet. Bah, dans les carnets que j'ai du mal à tenir, carnet à rêves. J'ai fait plein de rêves très pertinents ces derniers temps. J'en ai noté aucun. Faudrait peut-être que je le fasse. Mais en tout cas, voilà. Normalement, je note mes rêves et je date pour me souvenir à peu près de quand, à quelle période j'ai fait ce rêve-là. Mais, bon, je ne suis pas très assidue non plus. Nous avons ce genre de carnet. Alors ça, j'adore vraiment. Hop, je me repositionne. C'est un carnet de bucket list, les choses à faire avant de mourir. C'est également un carnet, des premiers carnets que Action avait sorti, qui va de pair du coup avec celui-ci. Et je m'explique, donc ça c'est ma bucket list, les choses que j'aimerais faire avant de mourir. Et du coup je surligne dedans dès que j'ai fait quelque chose. Le problème c'est que je me rendais compte que j'étais très vite frustrée, car même si je regardais une chose en me disant bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour l'accomplir, je me rendais compte que souvent c'était pas faisable, en tout cas dans l'année ou dans les temps à venir. Et bah du coup j'étais triste de ne pas pouvoir accomplir ce qu'il y avait dans ce carnet. Du coup j'ai fait ce carnet-ci à l'année. C'est ma sorte de bucket list à l'année, où j'y note les choses que je veux faire à l'année. Alors je l'ai daté, j'aurais pas dû, parce que clairement je vais pas utiliser toutes les pages. Donc il va me resservir pour l'année prochaine. Il a deux intercalaires comme ceci. J'adore ce genre de petit carnet de chez Action, c'est toujours pratique. Il a un intercalaire choses à faire et un intercalaire goal. Et dans les choses à faire, j'y note les choses que je veux faire, soit qui viennent de ma bucket list de choses à faire avant de mourir, ou bien de choses que je me dis, allez, cette année je fais ça, parce que c'est certes quelque chose que je veux faire avant de mourir, mais c'est surtout un truc que je veux faire dans l'année, que je sais que je peux faire. Donc je vais le noter dans ce premier intercalaire, et hop, on y arrive. Dans ce deuxième intercalaire, j'y mets les goals, ce sont les choses que j'ai pas prévu de faire cette année, qui viennent ou non de ma bucket list, mais que j'ai pas prévu de faire cette année, ou que j'ai fait et que je trouve ça incroyable et je veux me le noter pour me souvenir à la fin de l'année que j'ai quand même fait des choses incroyables dans mon année, parce que j'avais tendance à chaque fin d'année de me dire ouais, j'ai rien fait d'exceptionnel cette année. Non seulement je peux me rendre compte que j'ai fait des choses exceptionnelles, mais en plus ça me pousse à accomplir des choses de mes listes et à vouloir accomplir des choses et aller de l'avant et arrêter de vivre dans la peur. Donc je trouve ce concept très bien. Ceci, un carnet Falcom Millennium que j'avais trouvé chez Nose également. Ils font souvent de beaux carnets pop culture. C'est mon nouveau carnet journaling. Voilà, mon nouveau carnet de réflexion. Je le trouve très sympa et je l'ai pas mal rempli pour le moment. J'aimerais le remplir en entier avant la fin de l'année pour en commencer à nouveau l'année prochaine. Mais je m'y tiens. Je me fais ça par série de quelques pages. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avancer et je trouve ça plutôt cool. Un autre petit carnet qui va de pair avec un autre grand carnet, ce sont ces deux carnets-ci. Ce sont des carnets à réflexion minimaliste. Alors, je n'ai pas pour vocation de devenir minimaliste, je suis encore trop matérialiste. Néanmoins, j'essaye de revenir à mon essentiel, à ce qui me fait vraiment vibrer, à ce qui est essentiel pour moi. Et du coup, ces deux carnets-là sont très pratiques. Parce que j'y ai noté ici en 2023, il n'est pas rempli en entier, mais je le garde pour me souvenir. Mes réflexions, je me suis poussée sur ma consommation, sur mes biens, mes possessions. Toutes en fait mes réflexions personnelles autour du minimalisme et de mes possessions, etc. Et j'ai fait la même chose pour cette année, sauf que j'ai beaucoup plus développé. Je détaille beaucoup plus certaines choses. Le rapport que j'ai avec certains objets ou certains types d'objets, ou... mon rapport avec la consommation, l'argent même en général. Et donc du coup je développe ça là-dedans et ça me permet de faire un auto-travail sur moi-même. Et c'est très bien d'auto-travailler sur soi-même et je trouve que d'écrire sa vie d'ici, ça permet de poser clairement ses idées et ses intentions. En parlant d'intention, ce type de carnet, mon carnet joie, un compagnon bien-être pour vous reconnecter à l'instant présent et vous inspirer, de la marque Gift for Change, qui est un carnet que j'avais trouvé en solde chez la FNAC, il me semble. Il se présente comme ceci, mais je ne l'ai pas rempli en entier, ce qui est un peu problématique. Alors j'ai de la chance, c'est que ils sont un peu compartimentés comme des chapitres, donc j'ai ça en, donc je peux commencer une nouvelle era, malgré que voilà, ce n'est pas de la même période de quand j'ai débuté le carnet. Mais en gros, c'est un carnet, je ne sais pas si tu auras compris, ici tu mets ton humeur. Ici, tu notes à la manière de journaling ben, ce qui s'est passé dans ta journée, je pense. Ou comment tu te sens, ou j'en sais rien. Et ensuite, ici, tu as tes trois gratitudes. Mais j'ai fait actuellement un carnet de gratitude et j'ai du mal à m'y tenir. Donc, je sais pas. Je vais voir. Peut-être que j'y ferai un carnet d'intention. Ça peut être cool aussi de le transformer comme ça.
avoir, mais je ne vais pas le jeter, je vais l'utiliser et le finir. Bon, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Voilà toute cette pile de carnets qui est immense. Mais en gros, ce sont tous les carnets vides qui sont pour des projets à remplir. Alors, pas des projets spécifiques, certains si, certains non. On a ce genre de petit carnet qui est exactement pareil que le carnet de rêve que j'ai rempli. Je sais pas, c'est un petit carnet, j'aime bien le petit format pour rentrer des petites choses. Pourquoi pas en faire lui un carnet d'intention ou je sais pas, un carnet où je peux y noter des petites choses, mais ça peut être très sympa. On a plein de petits carnets comme ceci, celui-ci que j'ai eu en cadeau dans un magazine, celui-ci que j'ai eu en cadeau chez Yves Rocher, celui-ci que j'avais acheté il y a un long moment dans un lot chez Primark quand ils faisaient des carnets. Hop, attends, j'ai des carnets qui se font la malle. Oups, on va y arriver. J'ai également ce carnet qui vient de chez Eclipse, qui était la boutique de la youtubeuse Marie Frozen Crystal. Sa boutique a malheureusement fermé. Ce genre de petit carnet, pareil, ça sert de carnet à idées à laisser dans son sac pour écrire des idées de partout. Ça peut servir de carnet be happy pour y noter les choses positives. Ça peut servir de carnet à intention ou à gratitude. Bref, quand on a des petites choses à noter, et surtout quotidiennement, ça permet de pouvoir noter rapidement, dans peu d'espace, et de pouvoir les remplir aussi plus vite, ce qui permet d'être moins frustré qu'avec un gros carnet qu'on n'aura pas rempli assez vite. En parlant de petits carnets, j'ai ce carnet-ci de chez Gallimard. Gallimard font des carnets au format de leur livre classique, je trouve ça super original, mais ça coûte cher, c'est quand même 10,90€, même si on n'est pas sur le prix d'un carnet de chez Paperblank, mais quand même. Mon cœur mis à nu, je le trouvais trop mignon. Et soit je vais m'en servir pour écrire des poèmes thématisés en rapport avec mon cœur mis à nu et la couleur, mais pourquoi pas aussi noter des petites choses en souvenir de moi et ma moitié. Ça peut être super cool de faire ça avec un proche avec qui on s'entend bien, un frère, une sœur, un de nos parents, un cousin, une cousine, un de nos meilleurs amis, ou tout simplement avec la personne avec qui on est en couple. Je pense que ça peut être ultra sympa, même dans ce genre de cas, que chacun y écrive un petit quelque chose, un souvenir, quelque chose qui l'a marqué avec la personne. On va continuer dans les petits carnets avec ce carnet-ci de Corinne Demwink. J'espère que je prononce bien, je ne suis pas sûre. C'est aux éditions Cartes d'Art. Voilà, j'adore ce genre de petit carnet. Je l'avais acheté chez Zodio, avant que Zodio ferme. Voilà, je le trouve très joli. Alors, c'était pas donné non plus comme genre de carnet, mais j'aime beaucoup. Et celui-ci va me servir pour un projet poème. Donc, super cool. Pour un projet déjà dédié, on a ce carnet-ci que j'ai acheté l'année dernière chez Action. Franchement, c'est des carnets super jolis. Je pense qu'en fin d'année, quand ils font des carnets pour la nouvelle année, je vais foncer et acheter plein de carnets. Mais voilà, super joli ce carnet-ci. Pour le coup, celui-ci est joli avec toutes les tranches noires. Je trouve ça original. Il est simple, ligné. Il devait me servir de carnet de journaling pour cette année. Mais je n'ai pas fini mon cahier de journaling de l'année dernière. Donc, je l'ai fini cette année. Il est fini. J'en ai entamé un nouveau que j'espère finir pour la fin d'année. Et je me garde précieusement celui-ci pour l'année prochaine. Parce que ben, c'est important. D'ailleurs, autre carnet qui peut me servir pour du journaling, c'est ce type de carnet qui reprend un peu un aspect des vieux livres. Mais je le trouve joli. The Classic Sunday Notebook. Pourquoi pas y noter, je sais pas, aussi peut-être des intentions, des choses quotidiennes dedans à voir, mais des choses que genre, je pourrais garder. Ou alors, il peut peut-être devenir mon prochain carnet à... À citation, en plus j'avais pas vu ici qu'il y a des petits ornements sur les coins, je sais pas si tu les verras. Je viens de caler qu'il y avait des petits ornements sur les coins, j'adore ça. Ouais, je pense que ça va être mon futur carnet à citation. C'est de la marque Jingo Stationery. Je sais pas du tout c'est quoi comme marque, est-ce que c'est une marque coréenne. Je sais qu'ils ont beaucoup de marques coréennes chez nous en déstockage par moment, mais je le trouve génial. Un autre gros carnet que j'ai pour le coup trouvé en solde à la FNAC, c'est ce carnet-ci. C'est un carnet de voyage, un travel book comme on dit. Alors il n'y a pas de questions hein, dedans, c'est vraiment juste basique avec voilà, des simples illustrations. Mais je le trouve super joli, par contre il est énorme et super lourd pour emmener en voyage, ce n'est pas pratique. Donc ce que je pense faire, c'est amener un carnet plus petit en voyage, genre un carnet de réflexion ou un carnet à idées tout simplement, où je vais noter des choses. Et puis, pourquoi pas recopier tout ça aux preuves dedans, y coller des photos, des souvenirs de voyage, et en faire une sorte de art journal slash journaliste de voyage que je noterai dedans, mais de retour. Pour faire un projet un petit peu plus propre et noter au feeling lors de mon voyage.
un carnet que j'aime beaucoup mais qui malheureusement est abîmé, c'est ce carnet-ci. Oui, j'adore, couverture cartonnée, recouvert de tissu. Très très beau carnet qui est un carnet relié. Et oui, je n'avais pas vu que c'était un carnet relié et non un carnet collier. Collier, pardon, je vais y arriver. Que j'étais en train de penser avec, comment dire, broché et relié, je crois que c'est ça. Ouais, bref, ouais, c'est un relié et pas un broché. Et malheureusement, ça devait me servir de carnet, genre journaling ou pour des projets un peu plus sérieux. Et je sais pas, j'écris des trucs à l'arrache dedans. Je me suis dit, bah, c'est bête de gâcher un si beau carnet avec des trucs à l'arrache. Donc j'ai arraché les feuilles. Mais du coup, mon carnet, il s'est décollé. Enfin, la couverture avant, donc il faut que je répare ça. C'est génial. Mais bon, bref. Un carnet comme ceci de chez, j'allais dire de chez Emma, non. Emma, ils ont des carnets similaires parfois. Il vient de chez Stokomani l'année dernière pour la rentrée. Comme j'ai dit, ils ont fait des super produits de rentrée. Là, je ne sais pas, il n'y avait rien cette année. On a 4 intercalaires et j'ai très envie, l'année prochaine et même dans les temps à venir, de me former beaucoup plus sur plein de sujets divers et variés, que ça soit personnellement en ésotérisme, en développement personnel, que professionnellement sur plein de sujets. Et donc du coup, je me dis que pour prendre des notes comme des cahiers de cours et garder ça pour pouvoir me relire, ça peut être super cool. Donc ce genre de cahier servira très bien. On a également ce genre de petit cahier qui peut soit me servir pour ça justement, soit me servir pour en faire un cahier à souvenirs avec mon chat. Il est gris avec un chat gris dessus comme mon chat. C'est un carnet de la marque Legano, non, c'est ça, Legami, pardon, Milano. Je fais un raccourci. Legamo, non, Legami Milano. Bon, il coûte pas très cher ce genre de carnet. Bon, c'est un peu plus cher qu'un carnet de chez Action, on s'entend bien, mais c'est pas non plus le truc le plus cher. Contrairement à du Paperbank par exemple. Mais je l'adore et je pense que je vais en faire un carnet souvenir de moi et mon chat en y collant des photos, en y notant des choses, ça peut être super cool. Voilà, le reste de mes cahiers verts que je t'ai montré précédemment. Bah oui, j'en ai pris plusieurs, 1€ les 4 carnets à l'époque. J'avais fait une affaire et donc du coup, bah voilà, j'en ai plusieurs pour pouvoir justement écrire beaucoup plus d'idées et de choses sur cette idée de roman au-delà de juste faire des fiches perso, etc. Un autre carnet à feuilles repositionnables, c'est celui-ci. Et ce que j'adore, c'est que dans les ronds, ici tu ne le verras peut-être pas, mais il y a des cœurs, c'est vraiment en forme de cœur, je trouve ça trop mignon. Today is a good day, et ça pareil pour prendre des cours, des notes, m'informer, apprendre des choses, ça peut être vachement cool. Ce carnet-là de chez Emma, enfin ce cahier, c'est plutôt un cahier qu'un carnet. J'ai pas l'habitude d'avoir des cahiers, j'ai plutôt des carnets vu que je ne vais plus en cours, ben, les cahiers ça me sert plus trop. Encore une fois, comme je veux me former et apprendre beaucoup plus de choses, et ben ça sera très utile. Et d'ailleurs, ce dernier carnet, du moins cahier, sera également très utile. C'est un cahier de la marque Mr. Wonderful que j'avais trouvé en solde à la FNAC. Il me semble qu'il a des pages avec des points, comme pour le Bullet Journal. En tout cas, ça va me servir pour prendre des notes, ça sera vachement cool. Et de trouver ce genre de carnet qui coûte quand même assez cher, enfin ce cahier du moins qui coûte assez cher en solde, et ben c'est un bon plan également. Voilà, je t'ai présenté tous mes carnets écrits en cours d'écriture, mes potentiels futurs projets d'écriture. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, tu peux d'ores et déjà la liker. Et n'hésite pas, toi, à me dire en commentaire si tu écris et si tu écris, qu'est-ce que tu écris? Est-ce que tu tiens des carnets? Quel genre de carnet tu écris? Je suis très curieuse et je serai ravie de te lire en commentaire. Je te souhaite de bien profiter de la vie. C'est important car elle est courte. Moi, Moussaillon, je vais partir vers de nouveaux horizons. En attendant, tu peux t'abonner pour rejoindre le navire. Bye !